mystère quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. Des jours anciens, raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. France. Dante se voit confier une nouvelle mission par Guggenheim, un membre éminent de la fondation Antique. L'équipe doit aujourd'hui percer le mystère de la grotte de la Gargouille, située le long de la Seine. Zalia parvient à libérer Peter, un membre de la fondation qui a été mis en prison par les agents de l'organisation. À l'intérieur des catacombes, Defoe réussit à prendre le contrôle du titan Gargouille et s'enfuit, tandis que Locke découvre un passage secret très difficile à déceler. Flash éclair! Des toiles d'araignée? Ça me rappelle mon casier à l'école. Vous m'aviez pas dit que cet endroit renfermait un grand secret, Dante? Attendez, je crois que ce couloir est piégé. C'est écrit en ancien français. Je suis sûr que je peux le déchiffrer. Peter, non! Venez! Par ici! Aide-moi, Kyprine! Dépêche-toi, Locke! Ça se referme vite! Tu as réussi! On peut dire que tu as eu chaud. Ouais. Je suis désolé, Monsieur Val. Tout ça, c'est ma faute. Ça ne fait rien. Après tout, tu n'es pas un chercheur. Tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais. C'est tout à fait normal. Et en fin de compte, je crois qu'on pourrait presque en dire autant de Locke. Hey, c'est pas très sympa de dire ça, je te signale. Je m'en suis sorti sans ton aide, Dante, que je sache. Si la lampe de Peter a activé le piège, pourquoi votre flash éclair n'a rien déclenché? Parce que c'est une lumière magique. Mais il y a autre chose. Je pense que seuls les chercheurs ont le droit d'entrer ici. Et pourquoi, d'après vous? Je pense que nous sommes dans une base secrète. Un endroit qui a dû servir à des chercheurs il y a de cela plusieurs siècles. Attendez, est-ce que c'est bien Jeanne d'Arc? C'est sûrement la dernière chercheuse à s'être servie de cette cachette. Alors Jeanne d'Arc était une chercheuse? Si c'est le cas, et qu'elle aussi possédait une amulette ainsi que des pouvoirs, ça expliquerait le fait qu'elle ait eu une vision qui lui aurait soi-disant prédit l'avenir. En tout cas, elle a remporté beaucoup de batailles. C'est l'une des femmes les plus puissantes de toute l'histoire. Et elle est morte à deux pas d'ici. De nombreux historiens pensent que c'était une descendante de la royauté française. Ce ne serait pas étonnant étant donné ses exploits. Les familles nobles possèdent souvent des pouvoirs très puissants. Même les familles comme la tienne. Pourquoi elles se disputent sans arrêt? J'ai beau être sur Terre depuis plusieurs millions d'années, je n'ai jamais rien compris aux femmes! J'ai trouvé les notes de Jeanne d'Arc. Espérons qu'elles nous conduisent à la prochaine étape. Monsieur, j'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé le titan Gargouille et je me suis emparé de son pouvoir. Y a-t-il autre chose que tu as découvert?
Toutes mes excuses, mais je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur. Je t'avais donné l'ordre de prendre le contrôle de la grotte de la gargouille et de me rapporter tout ce qui pourrait avoir de l'importance. Mais, monsieur, Dantval et son équipe étaient sur place. Nous avons dû battre en retraite. Tu n'es qu'un idiot! Figure-toi que dans cette grotte se trouvait l'indice qui mène au légendaire Anneau d'Arc, un artefact puissant. Mais toi! Tu t'es enfui à toutes jambes comme un froussard, un lâche! Cet indice précieux est sans doute aux mains de la Fondation à l'heure qu'il est, et c'est à cause de toi! Monsieur, je veux réparer mon erreur. Dites-moi ce que je dois faire. Tout d'abord, trouve Dantval. C'est lui et son équipe qui te conduiront jusqu'à l'anneau. Fais en sorte de t'en emparer et mets un terme à la Fondation Antic. Je ne veux plus en entendre parler. Bien, monsieur, je ne vous décevrai pas cette fois. Tant mieux. Autrement, je me verrai forcé de te punir. C'est clair. Prends ça, chérite. Écoutez-moi, Jeanne d'Arc nous a laissé une carte et avec un peu de chance, celle-ci va nous conduire jusqu'à un artefact qu'elle a enterré quelque part dans Paris. Il s'agit d'un anneau magique qui, selon moi, est la source des pouvoirs que la jeune femme possédait. Notre mission s'intitule donc « Le mystère des catacombes de Paris ». Nous allons devoir localiser l'entrée secrète, explorer les tombes souterraines et mettre la main sur l'anneau de Jeanne d'Arc. Ça va être un jeu d'enfant ? Pourquoi ça ? Parce que la carte va nous conduire à l'anneau. Ce ne sera pas aussi simple, car il s'agit seulement du plan des tombes souterraines. Il va falloir trouver l'entrée nous-mêmes. On a un indice ? Oui. L'entrée est surveillée par le regard attentif de la dame bien-aimée de tous. Donc, on doit trouver une femme que tous les Français adorent. Et ce, depuis plusieurs siècles. Super, mais comment va-t-on trouver celle qu'ils aiment le plus ? C'est sûrement quelqu'un que tous les Français connaissent. Qui peut bien être la dame aimée de tous ? Réfléchissons. Ce n'est pas forcément un être humain. Mais oui, la dame aimée de tous, c'est Notre-Dame. La cathédrale Notre-Dame. Bien joué, Sophie. J'aurais pas trouvé ça tout seul. Faut dire, j'ai jamais été très douée en histoire. Ça, on avait remarqué. Tu n'es pas très douée aux échecs non plus. Quoi ? Échec et mat. Parfait. Alors, en route pour Paris. Dante, tu es arrivé à Paris ? Tant mieux. Alors, Guggenheim, tu as découvert quelque chose dans la cathédrale ? Cela fait plusieurs dizaines d'années que cet endroit est l'une de nos bases d'opération. Malgré tout, nous n'avons aucune information sur l'anneau d'Arc. Ce qui me semble quelque peu étrange. Trop cool ! Si seulement j'avais un holotome à la place de mon téléphone portable... Soyez prudent, Dante. Les agents de l'organisation sont également dans la capitale. Entendu, merci. Si on se réfère à l'indice, l'entrée des catacombes est surveillée par le regard attentif de la cathédrale. Mais où sont les yeux d'une cathédrale ? Sur les statues, bien sûr. Il y a des yeux sur les statues. Waouh, bravo, Locke. Après tout, on a trouvé le parchemin de Jeanne d'Arc dans la grotte d'une gargouille. Donc, l'une d'elles devrait nous indiquer la bonne direction. Oui, mais laquelle ? Il y en a tellement. C'est celle-là ! Il lui faut sûrement un peu d'eau. Très bien, allons la voir de plus près. Je suis curieux de savoir ce que cette gargouille observe. Encore un petit effort, on est presque arrivé. Désolé, mais je crois que je ne peux pas aller plus haut. Je vais appeler Kyprine. Non, garde tes pouvoirs. Si Guggenheim m'a dit vrai, nous allons devoir affronter l'organisation d'ici peu. Oui, mais si je tombe maintenant, mes pouvoirs ne me serviront pas à grand-chose. Tu es tout près du but, Locke. Ne baisse pas les bras. Et surtout, pense bien à rester dans l'ombre. Je sais que tu peux y arriver. On y va. Suis-moi. Hypersaut. Allez, à ton tour. Tu vas y arriver. Regarde pas en bas. Allez, je me lance. Hypersaut. Tu as besoin d'entraînement. Ouais, je sais, je suis pas doué. Tout ce que je vois, ce sont des bâtiments à perte de vue. Ça n'a rien d'original. Pour résoudre l'énigme de Jeanne d'Arc, il nous faut cerner sa personnalité. Quel genre de femme était-elle ? Eh bien, elle était très croyante, ouais, même moi je le sais. Mais oui, une église ! Parfait, allons y jeter un œil. Ma femme me dit toujours que je devrais faire attention. Tiens, tiens, à première vue, cette église est fermée depuis un sacré bout de temps. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous n'allez quand même pas fracturer la serrure ?
Non, je vais me contenter de la crocheter. C'est le genre de tâche qu'un véritable chercheur devrait être capable d'accomplir. Entrer par effraction, tu veux dire? Je veux dire contourner des obstacles et mener sa mission à bien. Je suis une chercheuse, que ça te plaise ou non. Et je suis aussi la digne héritière des Castorwheel, alors j'exige un minimum de respect. Hé, désolée de vous interrompre, mais Dante n'a pas forcément envie que quelqu'un le voie crocheter une serrure. Alors évitez d'attirer l'attention sur nous. Ça y est, on peut entrer. J'ai rarement vu des vitraux aussi sales. Vous êtes vraiment certain que c'est la bonne église? Je ne vois aucun indice. Mon instinct me dit que nous n'allons pas tarder à en trouver un. Tiens, waouh! Cool! J'ai une question. Qu'est-ce que la gargouille de Notre-Dame regardait exactement? La croix qui se trouve sur le toit de l'église. Bien sûr, venez voir ça. La croix se trouve justement en haut de ce clocher. Attendez! Comment les rayons du soleil arrivent-ils à passer? C'est dingue! Grâce à un miroir, ce dispositif permet de réfléchir la lumière. Ainsi que le regard de la gargouille. Oui, c'est logique. C'est aussi le phénomène de réflexion qui a activé le piège dans la grotte de la gargouille. Restez là. Essayez d'ouvrir cette trappe et moi je vais les retenir un peu. C'est moi que vous cherchez? Danteval, toujours aussi sûr de toi, ce que je vois. Mais tu sais parfaitement que tu ne pourras pas nous vaincre. Nous sommes trop nombreux. Alors rends-toi! Le professeur meurt d'impatience de te voir. Je commence à me demander si tu me connais aussi bien que tu le prétends. Tu crois vraiment que je vais rendre les armes sans me battre? Bats-toi si ça te chante, mais nous savons tous les deux que tu vas perdre. À mon signal, passez à l'attaque! Cette fois, tu ne m'échapperas pas, Danteval. Comment veux-tu qu'on soulève cette immense plaque de marbre? Il y a sûrement un mécanisme caché quelque part. Si tu crois vraiment que je n'ai aucune chance, tu n'as qu'à venir me chercher toi-même. Tu as beau avoir des pouvoirs, tu ne m'arrives pas à la cheville, et tu le sais. C'est ça. J'imagine que c'est pour cette raison que tu t'es enfui de la grotte de la gargouille, et que tu n'as pas hésité à abandonner ton équipe. Allez, de faux, rien que toi et moi. Il est temps que tes agents sachent à quel genre de chef ils ont affaire. Il faut qu'on se dépêche. Il ne va pas tenir longtemps tout seul. Dante a besoin de moi. Non, Zalia. Il nous a dit d'ouvrir la trappe pour qu'on puisse trouver l'anneau d'arc. Très bien. Je pense que mon nouvel ami est loin d'avoir dit son dernier mot. Gargoule ! Tu veux entamer une nouvelle partie ? Pas de soucis ! Caliban ! Tu parles beaucoup, mais quand il s'agit de te battre, tu fais moins le malin. Souviens-toi comment Peter a activé le piège. C'est écrit en ancien français. Je suis sûr que je peux le déchiffrer. Peter, non! Le piège s'est déclenché parce que la lumière n'était pas celle d'un chercheur. À mon avis, on devrait essayer d'éclairer ces miroirs. Mais on va se faire repérer. Écoute, il faut agir vite, on n'a plus beaucoup de temps. Dante ne pourra pas les retenir éternellement. Touchez Bélier! On a droit qu'à un seul essai. Dès que je me serai servi de mon pouvoir, tous les agents vont se jeter sur nous. On n'a plus le temps. C'est maintenant ou jamais, Sophie. Très bien, mais si ça tourne mal, ce sera ta faute. Pulse Orion ! Ça a marché. Suivez-moi. Hyper saut. On ne va pas rester planté là, si? Non, notre priorité c'est de trouver l'anneau d'arc. S'il est aussi puissant que je le pense, il nous aidera à combattre l'organisation. Hein? Touchez Bélier! Vous pouvez me dire ce qu'il a de si spécial, cet anneau? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore. Mais n'oublions pas que beaucoup de titans très puissants se cachent dans des anneaux. Alors c'est ça? Vous croyez que l'anneau d'arc pourrait renfermer un titan? Apparemment, nous venons de pénétrer dans les catacombes. En effet.
Certains experts au sein de la Fondation pensent que cet endroit recèle des zones qui n'ont encore jamais été découvertes. Jusqu'à aujourd'hui. Au fait, c'est quoi des catacombes déjà ? À l'origine, ce n'était que de simples carrières de pierre, mais au XVIIIe siècle, les Français décidèrent d'en faire un cimetière et d'y creuser des tombeaux. Attendez. Je me demande si nous sommes dans la bonne direction. Il n'est pas question qu'il s'échappe cette fois. Il n'en est pas question. Réquisitionnez tous les agents de l'organisation qui opèrent en France, tous sans exception, et arpentez ces catacombes de long en large jusqu'à ce que vous les retrouviez. Tenez, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est un plan détaillé des catacombes, quoi, monsieur. Je vois, parfait. Je veux tous les agents disponibles sur le terrain. On se bouge, allez! J'ai le sentiment que nous approchons du but. Vous avez vu la couleur de ce caillou? C'est cool! Ces cailloux s'appellent des cristaux. Il est écrit qu'il faut toucher la pierre de lumière et que les êtres au cœur pur seront autorisés à passer. On dirait que Jeanne d'Arc adorait tout ce qui avait un rapport avec la lumière. C'est sûrement lié aux visions qu'elle a eues. Des visions qui lui ont permis d'y voir plus clair. Xavier! Tiens bon! Non, j'ai pas besoin d'aide. Je peux m'en sortir toute seule, je suis une grande fille, alors laissez-moi! On forme une équipe, alors peu importe nos différences, on doit s'entraider. Un, deux, trois... Allez! Rien de cassé? Non, ça va. C'est bon, je vous dis. La salle de l'anneau devrait se trouver au bout de ce couloir. J'ai déjà vu ce genre d'objet quelque part. Locke, on est censé suivre le chemin indiqué par la carte. Je sais, j'aimerais seulement emporter ce truc histoire de voir... Oh, oh non, c'est un piège. Touché, Bélier. Mais... Locke, tu dois à tout prix sortir de là. Il est coincé. J'y pense, si j'assemble le puzzle, peut-être que je vais m'en sortir. Oh non, je ne peux pas voir ça. Tiens bon. Viens nous en aide. Un métagolem. Il faut que tu libères Locke! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Les murs se rapprochent à toute vitesse, Locke! Locke! Allez! Locke! Hurrah! Il a assemblé le puzzle! Le titan qui était dans le puzzle a établi le lien avec moi! Bien joué. Voyons voir ce que l'holotome peut nous dire sur ton nouvel ami. Tu as trouvé Déclencheur, un titan extrêmement doué pour assembler les puzzles les plus complexes et déjouer tous les pièges. Tu as beaucoup de points communs avec lui. Ne restons pas là! Les agents de l'organisation nous rattrapent! Et voici l'anneau d'Arc. On a réussi! Ce n'est pas encore terminé. Oh non! Comment est-ce que l'organisation a pu arriver ici avant nous? Je ne crois pas que ce soit l'organisation, malheureusement. Nous sommes encerclés par les armes des chevaliers de l'Arc. Il est temps d'invoquer nos titans, un Caliban! Freelancer! Peut-être qu'on ne s'y prend pas comme il faut. Tu crois? Brista! Oh non! Ça n'a fait qu'empirer la situation. Ah,
Je suis coincé. Je peux pas appeler Kyprine. Je dois trouver autre chose. Allez, je me lance. Hyperso! Tu as besoin d'entraînement. Ouais, je sais que je suis pas doué. Je vais tenter un deuxième essai. Hyperso! Regroupez-vous! Bon sang! Rien ne les arrête, on dirait. Comment on va faire? Je crois que j'ai une idée. Visez les chevaliers, pas leurs armes! Ce sont leurs armures qui sont à l'origine du maléfice! Brise ça! Oui, ça marche! Continue! Brise ça! Gardener! Marque armure! Touchez bélier! Si Sophie l'experte en formule magique, laisse-la faire! Flash éclair! Ouais! On a gagné! Quel beau travail d'équipe d'ordre! Vous ne trouvez pas? Sophie, ça va? Elle s'est servie d'énormément de pouvoir dans un laps de temps très court! Elle n'a plus d'énergie! L'organisation arrive! Il faut qu'on s'en aille, mais pas avant d'avoir récupéré l'anneau! Attendez! Papa! C'était quoi ça? Notre proie! Plus vite, allez! De toute évidence, quelqu'un a jeté un sort sur l'anneau. Mais on doit s'en emparer. C'est le seul et unique moyen d'empêcher l'organisation de mettre la main dessus. Comment va-t-on les semer s'il faut qu'on la porte? En plus, chaque fois qu'on essaie d'attraper l'anneau, il s'en prend à nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? L'organisation est à nos trousses! Il faut qu'on trouve une solution! Il n'y a pas de temps à perdre! Éclairera ton cœur. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Si tu es fort, tu auras tout le pouvoir.